Alléluia, nous sommes tous étrangers sur cette terre et nous irons un jour rencontrer Dieu. Soit la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, j'ai envie sur les pensées de ton cœur, mais sache qu'un jour Dieu t'appellera en jugement. Même sur l'internet, la chasse aux sorciers, l'expression est venue des blancs. Ça a commencé à partir du 15e siècle, 15, 16, 17e siècle. Ils ont éradiqué la sorcellerie chez eux. C'est pas nouveau. On prenait les sorciers, on les brûlait au bûcher. Chez les blancs, quand tu es sorcier, on ne te suit pas. Il n'y a pas fait de non à te délivrer. Et qui te délivre avec le feu. Quand on te brûle, être des démons, vous mourrez tous. Tout ça qu'ils veulent discuter avec nous, nous leur ramenons leur histoire. Vous dites, vous pensez nous faire croire que la sorcellerie n'existe pas? Si, c'est que ça existe parce que vous avez combattu la sorcellerie. Nous sommes civilisés, nous délivrons les sorciers. Amen. Voilà, c'est la différence entre notre système et le système avant. Eux, ils brûlaient les sorciers. Or, nous les délivrons.
Pourquoi? C'est nous qui avons compris que la sorcellerie est une maladie. Ah oui. Souvent l'église, souvent les gens disent, oh non, on doit tuer les sorciers. On dit, on ne sera pas vu une sorcière. Donc le sorcier, on doit le tuer. Nous, on avons compris, selon le réma de Dieu, la révélation de Dieu, qu'on ne devient pas sorcier qui veut. Donc j'ai envie de devenir sorcier. Non, on peut imposer la sorcellerie. Tous ceux que vous avez écouté parler, faire des aveux, ont été initiés. Et là où il y a initiation, frère, on ne peut plus condamner la personne. On n'achète pas la sorcellerie à ce côté. On n'achète pas la sorcellerie à King Cash, ni dans une pharmacie, ni dans une boutique. C'est un esprit. On peut t'imposer ça contre ton gré. Tu veux pas, on t'impose la sorcellerie. Et quand tu es dans la sorcellerie, tu dois forcément tuer, parce que c'est ça. C'est ça. Tu dois tuer. Donc quand quelqu'un dit les sorciers, il n'a pas tué mort. Mon livre sort bientôt dans quelques mois, peut-être le mois prochain. Mon livre doit sortir, vous allez voir acte 1, tome 1. Comment reconnaître un sorcier, tout ça, ça va bientôt sortir. Parce que quand tu inities, on va seulement te demander une personne de chair. Et quand tu donnes une personne, tu as maintenant droit à la parole dans la confrérie. Donc quand quelqu'un dit n'a pas tué, il n'est pas sorcier. Donc un sorcier a toujours tué. Pour avoir droit à la confrérie, on tue. Donc les blancs, eux, pour régler le problème de la sorcellerie, il fallait tuer les sorciers. Ils ont éradiqué la sorcellerie chez eux. Au Moyen-Âge, c'est pour ça qu'ils ont connu le cercle glorieux qu'on appelle le cercle de lumière, le 18e siècle. C'est celui qui fait tout blanc qui veut échanger avec nous, nous sommes prêts pour les débats. On est toujours battu sur ce domaine-là. Or, notre ordonnance, ça n'existe pas. Si tout ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Est-ce qu'on dit aux gens, tout ce qui n'existe pas n'a pas de nom? Et on dit aux blancs, vous, mais c'est parce que vos parents éradiqués, ce n'est plus dans votre réalité. Vous comprenez? Ça, ils ont pris le temps de combattre la sorcellerie, ce n'est plus dans leur réalité. Donc, chez nous, ça s'est vu. Il n'y a pas un Africain qui ne croit pas à la sorcellerie. Ça s'est vu chez nous. Chez nous, avant l'évangile, avant même l'évangile, avant que la parole de Dieu ne soit prêchée en Afrique, avant la sorcellerie, c'est dire savoir être garçon dans une famille africaine. C'est quand tu as la sorcellerie, on dit que tu es garçon. Or, le pouvoir de la sorcellerie, c'est nuisible, ça détruit. Ça n'a jamais apporté quelque chose. Preuve, c'est que l'Afrique en retard. L'Afrique en retard. Tout part de l'Afrique. Tous les grands ressources partent de l'Afrique. Nous avons la plus grande réserve de pétrole au monde. Nous avons grand réserve de bauxite. Nous avons tout. Tout. Mais l'Afrique en retard à cause de la présence de la sorcellerie. Amen. Oui. Et ce sujet-là, qu'on aborde ça, ça peut-être diviser les gens. Parce que, vous savez, c'est ce qui est dit aux gens. Quand il s'agit de la sorcellerie, il ne faut pas prendre position. Si tu prends position, c'est que toi-même t'es sorcier. Parce que le parent que tu dis n'est pas sorcier, là, qu'est-ce que toi tu en sais? Quand tu vas dormir, là, toi tu sais où il s'en va la nuit. Tu ne sais pas où il s'en va la nuit. C'est ta mère ou ton père, tu le vois visiblement, mais tu ne connais pas sa vraie nature. Parce qu'on n'apprend pas. Non, on ne peut pas connaître l'homme. On ne peut pas. Et la personne mieux placée pour te détruire, c'est celle qui te connaît. C'est pour ça que c'est Judas qui a livré Jésus. Or, passons la sorcellerie, passons la science, la technologie évolutive. C'est comme ça que la sorcellerie est une science occulte. Elle est très évolutive. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de liens de sang. J'ai toujours expliqué ce genre. Quand vous avez un sorcier dans une famille, c'est un danger. Vous allez constater un retard pas possible. Et le problème, c'est que les bras valides, ceux qui doivent développer la famille, ceux qui doivent amener la famille à avancer, sont détruits par la sorcellerie. Quand je commence à prêcher ce message, ceux qui ne m'aiment pas sont sorciers. Pourquoi? Parce que j'explique la sorcellerie. Veut dire lanceur de sort. Donc, celui qui ne se sent pas dans le combat que je mène, il est sorcier. Dieu nous utilise pour, n'est-ce pas, démystifier la sorcellerie. Avant, les gens ne parlaient pas de ça. Je ne suis pas devenu prophète crasso parce que j'avais envie de devenir prophète crasso. J'ai reçu un don de Dieu. C'est un don. Je ne regarde pas le visage de quelqu'un pour dire non, telle maman. Non. J'ai une personne qui était venue une autorité ici, la Côte d'Ivoire, qui est venue avec une de ses soeurs. Dix sorciers dans la famille. Ils sont venus la prendre. Ils sont venus dans mon bureau. On dit prophète, voici la sorcière de la famille.
Et non, il n'est pas sorcier. Donc, il m'a pris deuil dans la maison. Et puis, il me dit, mais, prophète, faut bien regarder. J'ai dit, ah, le scanner n'a pas pris. J'ai un détecteur. Prophète, j'explique aux gens, ceux qui ne vivent pas avec ça, c'est-à-dire, c'est moi qui vis la chose. Le jour où j'ai rencontré Jésus, je suis fils de musulman. Ma mère est un peu malienne, mon père était des gagnants. C'est quand j'ai connu Jésus, le jour où j'ai rencontré Jésus. J'ai vu Jésus, comme je suis en train de voir la même. Voilà. Je ne suis pas venu, ce n'est pas un verset biblique, mais c'est lui. Vous dites Jean 3, verset 5, si tu veux aller en enfer. Non, moi, ce n'est pas un verset. J'ai vu Jésus. Ils ont tué mon père, la sorcellerie. Ils ont tué mon frère. Ils ont tué ma soeur. Moi, ils m'ont attaqué avec une maladie mystique. Mes poumons étaient infectés. Ils ont fait toutes sortes d'analyses, zéro. Pas de solution. Il fallait partir quelque part au Mali, chez mes parents. J'ai analysé, j'ai dit non, mon père, moi je vivais dans la Sibie. Hein. Mon papa nous a tout fait pour me protéger contre la sorcellerie, jamais ça n'a pas pu marcher. Et je pensais qu'il y avait une autre solution à part le fétichisme. Parce qu'on a essayé avec le fétichisme, ça n'a pas marché. Jusqu'à ce qu'on vient me cracher Jésus. J'allais à l'église. Arrivé à l'église, j'ai fait deux semaines sans guérir. Et j'ai quitté l'église, Le pasteur me dit non, c'est qu'il y a sur le paradis. Et tout, je suis le pasteur, je suis venu à l'église dans le paradis. Je suis venu à l'église pour être guéri. Pas au paradis. Je suis malade, c'est quel paradis? J'ai vu mon papa mourir sous mes yeux. Mon père est mort sous mes yeux. J'explique à qui vit entendre. J'ai vu mon papa mourir. Il est mort, il agonise devant nous. En train de crier, on m'étrangle, on m'étrangle. Il est étranglé sous nos yeux. Les sorciers sont venus devant nous, on est étranglés. On a amené à l'hôpital. D'abord, le service de pompe, évidemment, je ne croyais pas sa mort. Et c'est le morguier qui m'a accroché, qui me dit, mais qui est étranglé ce monsieur? Ah oui. Parce qu'il avait la face, il allait bloquer. Et c'est là que j'ai commencé à pleurer. Or, lui, il disait ça avant de mourir, on m'étrangle. C'est là que j'ai commencé à prendre la chose de sorcellerie au Seigneur. Quand tu n'as jamais été victime de la sorcellerie, ça t'est tiré. Je ne me suis pas levé comme ça pour dire, mais je suis venu me mettre dans un combat. Ce combat-là, si tu n'es pas loin de Dieu, que tu rentres, les sorciers te tuent. Les esprits sont rentrés dans mon hôtel, la Lomé. Il y a deux, ils m'ont fléché ici. Il y a des bleus ici, là. Ils m'ont pris du sang là. J'ai combattu. Il y a des choses que je vais vous expliquer. Mais j'ai réussi à les terrasser sur le sol Lomé. Je suis sorti de Lomé. Je l'ai dit. Il y a des bleus ici. Ils m'ont soutiré le sang ici. Les esprits. C'est là, les bleus. Mais comme Jésus, il dit, aucun sorcier ne pourra me vaincre. Le sorcier, le pauvre me dit, je pourrais me détruire. Je n'ai plus peur d'un démon, ni d'un féticheur. Ça ne me dit rien. Parce que j'ai connu Jésus. Donc j'ai vu Jésus. Et c'est Jésus-Christ qui m'a délivré. Le pouvoir de la sorcellerie est comme moi. Je voulais savoir qui était la base de mes problèmes. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a révélé une nuit, 6 personnes qui étaient en train de manger. Et c'est comme ça, au cours de la prière, le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à moi. Et puis, il m'a amené dans ce ministère. Et puis, il a mis un détecteur dans ma tête. J'ai un détecteur, c'est comme un appareil. Je vis avec ça. Amen. Amen. Je vis avec ça. Quand quelqu'un est sorti, je sais. Je n'accuse pas. C'est ça le problème. Je n'accuse pas. Vous voyez, c'est ce qu'il dit aux gens. C'est Dieu qui a la sagesse et la connaissance. Si un être humain a pu créer un détecteur, c'est pas Dieu qui va faire ça. Amen. Voilà, donc Dieu, il donne des dons aux gens. C'est des dons. Chaque homme de Dieu a sa grâce, chaque homme de Dieu a son don. Notre spécialité, c'est d'affronter le royaume de Satan. C'est ce qu'il dit au pasteur. J'ai dit, le problème de nous, tous les fidèles, c'est le problème des sorcelleries. On va s'asseoir, causer, bavarder. Chaque fidèle a un problème de sorcellerie. Si vous la mariez, j'ai bloqué ces sorcelleries. Pourquoi ne pas réfléchir, s'asseoir, nous les pasteurs, réfléchir comment délivrer nos fidèles. C'est ce qu'il dit au pasteur. On m'invite, prophète, viens, on va parler. Et chaque pasteur, une maison, ou assurance, ça ne m'intéresse pas.
On ne peut pas penser à notre bien-être en tant que fidèle souffre. Les gens souffrent pour les sorcelleries. C'est ce que dit le pasteur. Tu vois que les gens qui t'en France venir ici, c'est parce qu'ils savent qu'on n'est pas la solution des problèmes. Vous prêchez aux choses. Ils sont victimes de la sorcellerie. La personne n'arrive pas à procréer. C'est pour les sorcelleries. La personne n'arrive pas à avancer dans sa carrière. C'est pour les sorcelleries. Vous prêchez d'autres choses. Or, pour résoudre le problème d'une personne, il faut toucher le sujet. Le problème de nous, les Africains, c'est la sorcellerie. Oh, sorcellerie, là, tu peux être ici, tu peux être à Londres, tu peux sortir, tu peux être ici, allez te couper. Amen. Alléluia. Amen. Donc, chaque homme de Dieu, avec sa grâce, c'est un don que j'ai reçu de la part du Seigneur pour redresser certaines choses. Vous savez, quand il y a un fléau, Dieu donne un remède face à ce fléau. C'est un sujet qui est très délicat. Et quand on va aborder ça tout à l'heure, ça va créer beaucoup de choses. Or, dans ce sujet-là, il faut être neutre. Si tu as rien prise de position, c'est pour toi mettre un problème. Ah oui. Parce que même parce que ta mère ou ton père, ton frère, c'est ton frère. Mais quand on partait dormir la nuit, tu ne sais pas quel voyage il fait. Les gens disent souvent, lui, il voyage la nuit. Quand tu dors, il fait orchestre de lui, orchestre du rof. Mais lui, il ronfle pas, il voyage. Amen. C'est ton père, tu le vois, c'est ta mère. Mais tu ne connais pas ta mère, l'autre côté là, tu ne maîtrises pas. Amen. Donc quand il y a un problème de sorcellerie, il ne faut pas qu'il y ait une prise de position. Quand il y a une prise de position, il y a un problème. C'est ça que Jésus-Christ a dit dans Matthieu, il dit, je ne suis pas venu pour vous apporter la paix, mais l'épée. Jésus même est venu, lui qui lit les prince de paix là, il est venu, je suis venu apporter l'épée. Il y a souvent des choses qui divisent, qui peuvent vous diviser. Mais le problème de sorcellerie, ça ne doit pas diviser. Parce que si ce n'est pas réglé, ça va vous détruire. Ça va vous détruire. C'est pour ça que le problème des sorcelleries, il faut prendre la peine de régler que de faire par là. Si vous voulez mettre ça dans Pala, qui s'arrête dans Pala, ok, le problème demeure. Le sorcier est là. Vous allez parler, protéger la personne, mais un jour, on va vous manger. Allez, j'ai vécu ça à Zopé. On m'a invité à Zopé. Parce que moi, quand je rentre dans un village, j'ai une manière de travailler. Je parle à la terre, les sorciers sortent. Ils se mettent en rang pour venir. Ils sont malades. Et puis tant que je parle de ça, chacun vient se soigner. Donc il vient, j'ai mis la main sur la mère d'une famille. La vie a commencé à parler. Et sa fille prend chaussure. Vous venez faire parler à moi. Non, c'est quoi ça? Il dit, ta maman t'a réparé. Elle dit non, mais il m'en fout. Il dit, mais ta main est sortie. Il dit non. Ok. J'ai tout fait. Elle dit, j'ai tout fait pour dire, j'ai délivré ta maman. Elle dit non. Elle a récupéré. Pendant que j'ai attrapé, elle a lâché sa chaussure. Ah. J'ai dit, il faut la manger. J'ai dit à sa mère, je te donne l'autorisation de la manger. Quand tu viens de la manger, puis ça, après ça, tu meurs. Donc, c'est pas bon. On a quitté le village. Un mois après, la fille est tombée, malade, une semaine. Sa maman s'est levée, qui s'est mangée. Et la fille est morte 2 semaines, la maman est morte après. Amen. Amen. Ça ne se discute pas. On a vu ici Zaroko. Vous savez bien que Zaroko, c'est le plus grand point de sorcellerie à Jia Iré. Chaque semaine, c'est 9 morts. Et ils mangent. Ils font sans arachide, sans graines. Son aubergine, son jumelé, son tchétra, rigra, tchèque rouge, tchèque jaune. Ils ont rempli un cimetière, 2 mois, rempli un cimetière. C'est depuis qu'on est arrivé à Zaroko, la mort s'est arrêtée. Là où la sorcellerie est combattue, c'est fini. Là où la sorcellerie est combattue, le développement entre. Regardez, le développement est venu quand devant nos portes ici. Amen. Amen. Ils ont pris nos rues ici. La rue de Thibault n'a jamais été bitumée. C'est depuis que nous avons commencé à prier que le développement a commencé à entrer. Ils sont anti-développement, les sorciers. Quand quelqu'un va vouloir construire une maison dans un village, ils vont le tuer. Ça ne dépend, ça ne dépend pas d'eux. Mais c'est l'esprit qui est en eux là, qui fait ça. Tu vas demander à un sorcier quoi t'avais dit, c'est quoi? Mais c'est l'esprit qui est en moi là, qui me pousse à faire ça. Pour ceux qui ont un problème de sorcellerie, ça ne doit pas vous diviser. Vous devez régler ça avec beaucoup de sagesse,
Il ne doit pas avoir prise de position. S'il a pris de position, vous-même, vous allez pouvoir manger un jour. Mais sorcier n'a pas de cœur. Toi, tu le défends, là, c'est toi qui vas manger demain sauce graine. Avec dignité. Nouveau riz. Sauce graine dignité, hein. Bon nouveau riz, vous mangez très bien. Parce qu'eux, ils sont accro à la chair humaine. Ils mangent ça. C'est des mangeurs d'âme. C'est le seul centre au monde ici où on ne séquestre pas un sorcier. Où on les délivre. Amen. Où on les délivre. Ici, nous délivrons les sorciers. Nous sommes aujourd'hui à 7322 sorciers délivrés. Nous les délivrons chaque week-end. Dans la sorcellerie. En 30 minutes, je parle, nous parlons de l'esprit de la sorcellerie. Quitte le corps. Et l'esprit quitte. Parce que si quelqu'un même est sorcier qui fait des aveux, les aveux ne délivrent pas de la sorcellerie. Ici, il y a trois choses, il y a quatre choses. D'abord, la première chose, c'est les aveux. Forcément, quand quelqu'un est sorcier, il faut forcément qu'il parle. S'il ne parle pas, il est encore dans la confrérie. Pourquoi? Parce que les sorciers, ouais, là, c'est des grands montants. Ils vous diront jamais qu'ils sont sorciers. Parce que c'est un pacte qu'ils ont signé. Au premier de leur vie, ils vous diront jamais qu'ils sont sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un esprit sain en eux. C'est un esprit du diable. Le diable est le père du mensonge. Donc, quand ils rentrent dans la confrérie, on leur dit de ne jamais dire qu'ils sont sorciers. Même si on les attrape, il ne faut pas qu'ils reconnaissent qu'ils sont sorciers. Donc, quand ils reconnaissent qu'ils sont sorciers, ils brisent le pacte. Le second pacte, il dit ce qu'il a fait. Quand il dit, ça le libère lui-même. Et après cette étape-là, vient l'étape de la délivrance. Quand il finit de parler, on chasse le démon qui est en lui. Après avoir chassé le démon qui est en lui, il y a ce qu'on appelle, il prête serment. Après l'avoir prêté serment, nous prions pour que le Saint-Esprit le remplisse. Et après ça, il y a ce qu'on appelle la rééducation. En termes chrétiens, on dit la conversion. On prend le sang de l'éduqué. Parce que même quand il est délivré, il a encore les réflexes de la sorcellerie. Il a encore voyou, il a encore menteur. Donc on prend le temps de le suivre et tout ça. Amen. C'est un ministère qui est très délicat. Et délivrer sorcier, ce n'est pas facile. Parce que tu amènes avec eux et puis cherche à te manger. Tu veux les délivrer et puis ils cherchent à te tuer. Il faut avoir un cœur. Amen. Amen. Il faut être amour. Souvent, on veut délivrer les sorciers, mais ils sont prêts à chercher la maison du prophète Grasso. Ils veulent me tuer. Amen. Amen. Donc, cette histoire de sorcellerie, là, frère, c'est un sujet qui est très délicat. Mais regardez, Dieu, dans sa souveraineté, va donner des dons à des gens. Quand vous partez dans un hôpital, quand vous êtes malade, vous allez rencontrer d'abord un médecin qu'on appelle généraliste. Et quand le généraliste te fait des analyses, il te dit, bon, comme c'est un problème d'opération, va voir un chirurgien. Va voir un chirurgien. Comme c'est un problème de dents, on dit, va voir le dentiste, n'est-ce pas? Un problème de femme, on dit, va voir un gynécologue. C'est comme ça. Or, si tu ne comptes pas sur le spécialiste, tu vas tourner en rond le problème de dents. C'est ça. Amen. C'est parce qu'on n'est pas tombé sur un spécialiste qu'on a l'impression. Pas parce que Dieu... C'est parce que Dieu n'est pas fort, mais qu'il n'est pas tombé sur l'homme qu'il fallait. C'est ça que Dieu, nous prenons 2 Corinthiens, 1 Corinthiens, le chapitre 12. Amen. Ça, c'est important. Verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Amen. La Bible dit qu'il y a diversité de dons, il y a diversité de ministères, mais quand on parle de ministère de service, amen. Et la chose encore plus intéressante, c'est diversité d'opérations, c'est-à-dire de manière d'agir, de manière de faire. Pour ça qu'avec le Saint-Esprit, il ne faut pas être carré dans la tête. Amen. Alléluia. Nous allons résoudre beaucoup de problèmes. Amen. Tout à l'heure. Mais celui qui est carré dans sa tête ne peut pas avancer. Pour ça qu'en prenant les sorcelleries, là, quand on aborde le sujet, il faut être neutre. Il faut libérer la tête. On ne vient pas accuser quelqu'un. On dit c'est don que Dieu donne. Or, les sorciers, pourquoi? Vous allez,
Vous allez prendre les sorciers, ils vont toujours nier. Oui, eux-mêmes, ils reconnaissent ça. Ils ne reconnaissent pas que dans un premier temps, ils vont d'abord discuter. Mais c'est qui les tue souvent. Le problème de sorcellerie, là, ce n'est pas le problème de crasso. Hein. Et quand les blancs sont venus en Afrique, les blancs missionnaires, et regardez dans toutes nos régions, ici en Afrique, ils ont envoyé ce qu'on appelle le calvaire. C'est une croix, venue dans les régions, et le calvaire consistait à tuer les sorciers. Dans nos régions ici, il y avait ce qu'on appelle aussi le problème de Gopo. Parce que chez nous, mais c'est ce qui arrive chez les blancs aujourd'hui. Les blancs, quand tu as tué quelqu'un, ou bien on a vu les traces de ce qu'on appelle la police scientifique, qui vient mener des enquêtes, peu importe le temps, 10 ans après, on essaie de mettre la main sur la personne. Vous allez remarquer la plupart de nos crimes, les gens qui meurent à 99%, il y a la main des sorciers dedans. Pourquoi? Parce que j'explique. Chaque 3 mois, un sorcier doit donner une victime. C'est ça qui est un danger. Or, à partir de ces mois-là, c'est-à-dire à partir de octobre, hein, depuis le mois de septembre jusqu'à là, jusqu'à décembre, il doit donner 3 personnes. Un seul sorcier doit livrer 3 personnes à sa compagnie. C'est un danger. C'est pour ça qu'il faut combattre ce fléau. Plus, il y a une nouvelle année et il monte en grade. Parce que quand il tue une victime, or l'âme se trouve dans le sang. C'est ce que la Bible dit dans Lévitique 16, verset 11. 17, verset 11. L'âme se trouve dans le sang. Or quand il mange âme d'une personne, ça renouvelle leur force mystique. C'est pour ça que vous allez voir que la plupart des sorciers vieillissent dans le village. Ils vieillissent. Si quelqu'un devait faire 20 ans, si ce sont 4 personnes, chacun se partage 5 ans, 5 années, 5 années. C'est pour ça que c'est un plan, c'est quelque chose que nous devons tous combattre. C'est ce qu'on appelle la mort, une mort mystique, en français. Une maladie mystique. Ils ont la capacité de voir la gloire d'une personne, prendre la gloire et détruire. Amen. C'est pour ça que la sorcellerie, ce n'est pas un jeu, ils ne vont pas nous amuser avec ça. Combattre la sorcellerie. Et s'ils sont civilisés, nous ne frappons pas les sorciers, mais nous leur demandons d'abandonner la sorcellerie. C'est ce qu'ils disent aux sorciers là. Passons, pourquoi se tuer là? Moi, je sais bien où tuer, je sais très bien tuer les sorciers. Je peux détruire tout un village. J'ai cette connaissance. J'ai cette connaissance spirituelle. Pourquoi les sorciers, quand ils rentrent dans le village, ils sont obligés de venir parler au pouvoir grâce? Parce que je connais le pouvoir de la terre. Amen. Je connais. Quand vous prenez Deutéronome 38. Il y a des choses que vous devez connaître. C'est des connaissances. Vous savez que la terre a des oreilles. Amen. Vous marchez dans le monde comme ça. C'est ce qu'on appelle la loi de la nature. Vous marchez sans connaissance. C'est pour ça que les sorciers vous gagnent. On ne rentre pas dans un village comme ça. On ne rentre pas dans une ville comme ça. On ne rentre pas comme ça. Quand je rentre au Togo, je dois parler. L'esprit du Togo. Togo doit savoir qu'un homme est rentré. Parce que là où. Allez-y. Deutéronome 38. Hein? Dieu, à partir du verset 21. Dieu, prêtez l'oreille. Dieu, prêtez l'oreille. Et je parlerai. Mm-hmm. Terre. Écoute les paroles de ma bouche. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Amen. Que ma parole tombe comme la rosée. Amen. Comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Alléluia. Car. Arrête là. Amen. C'est que je veux qu'on retienne. Terre. Écoute. Écoute la parole de ma bouche. Écoutez, la parole est une semence. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, là où tu fouleras les pieds, il te donne le territoire en héritage. Amen. Nos parents savent. C'est pour ça qu'il dit, regardez un peu. C'est ce qu'on appelle la loi de la nature. Quand un chef d'État, il est même venu ici, à Divo,
La première personne qui doit les recevoir, c'est le propriétaire terrien. C'est ça qui doit faire une libation. Si ceux-là n'ont pas fait une libation, il n'a pas droit à la parole dans la vie. Et regardez ça. Est-ce qu'on va bien saisir? Ce sont ceux-là qui font asseoir le pouvoir du chef de l'État. Vous dites, c'est pas, mais ça fait. Quand vous rentrez dans un village, vous commencez à parler à la tête du village. Vous dites, tu dis ton nom, moi, tant que je vais dans ce village, que tout esprit se soumette à moi. Mais les choses, vous devez savoir. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Nous allons régler beaucoup de choses tout à l'heure. Amen. 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 Moi, je m'en fiche de comment tu vas prendre ça. J'ai une idée. Moi, je mène un combat. J'aime bien que j'ai des ennemis. Si la prenez les sorciers, ça doit vous diviser, je m'en fiche. Amen. Amen. Voilà. J'ai rien de beaucoup d'expérience. Avant que je ne sois à Divo ici, j'ai parcouru toute la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les petits coins. Les coins les plus dangereux de la Côte d'Ivoire. Nous avons démantelé les plus grands réseaux de la sorcellerie. Nous avons mis les sorciers au bas. D'autres qui devaient mourir, on les a envoyés à la mort. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas changer. Amen. Dieu, il est puissant. Dieu, quelqu'un, Dieu est puissant. Madame, viens ici, toi. Où sont les enfants orphelins sorciers, là? Venez avec votre leader. C'est des enfants orphelins sorciers de Daïwa. Ils ont gâté l'orphelinat là-bas, ils sont sorciers. Mettez-vous là-bas. Non, mettez-vous là. Ils ont constaté qu'ils étaient sorciers.